Et l'opposition dans son ensemble, nous attendons l'arrivée du président Étienne Tshisekedi qui va arriver bientôt le 27, le mercredi si ma mémoire ne me trahit pas. Alors, de l'autre côté, vous avez des voisins, ceux qui veulent des ennemis de la RDC, qui veulent à tout prix créer des troubles et dont les gens du PPRD, je vais citer les noms du parti, c'est ça, le PPRD, qui ont donné des t-shirts aux militaires, évidemment pour créer des zizanies lors du retour du président. Pour qu'on dise voilà, voilà ce que les gens de l'UDPS ont fait, voilà ce que les militants de l'UDPS ont fait, et nous avons. Les pionniers présentent un grand rôle au sein du parti, ça veut dire ce sont des premiers conseillers de ce parti. Basé personne morale, basé organisé. Les pionniers, ce sont des hommes qui ont commencé le parti et qui a vu aussi la fin de la lutte de ce parti. Alors nous ne sommes pas un organe, mais nous sommes les personnes morales qui jouent le rôle sur le bon fonctionnement de ce parti. Là où il y a des failles, nous partons chez le secrétaire général lui dire que non, il y a une faille quelque part. Il faut redresser cette faille. Vraiment, les lois alliés, c'est mon domaine à la 4 heures.
Kinshasa. Donc Kinshasa, la capitale des institutions. Donc tout à coup, il y a le président est le président. L'avenir de seul un vrai combattant. Attends, Koufi Babo a tiré déjà une coupe de l'île. Il y a une musique, Doye. Il y a Titi. Donc, on a 20 ans. L'incarnation du changement de ce pays, c'est Tien Tshisekedi wa Mulumba, que nous les étudiants nous sommes venus aujourd'hui accueillir. L'homme de Gaïa. A qui va dire le délégation Isawa, le côté limité. Il a 5 heures. Pour le président Tshisekedi. Jamais le Robert a mis en colonne. Mais pour la Titi,
Na beti mapolo mungu afula tia aeroport na bimegi 5 heures. Donso kende wapi kabila. Boko kiko tiki la biso mboka te. Boko koma biso ti wapi kabila. Donc je demande au président Kabila de respecter la constitution. Thank you.
Mais on a trouvé que dans quelques gens mal intentionnés, on ne sait pas les gens du pouvoir, sont arrivés pendant la nuit, ils ont arrivé à un moment à lever ça pour brûler ça. Heureusement qu'il y avait un autre commando, Olinga, Gégal Olinga, qui était sur place pour intervenir. Il est juste à ma gauche. Il a intervenu, il n'est pas armé, mais il a intervenu ne plus pour qu'on puisse récupérer les quoi, cette affiche. Et on a retrouvé ça vers 5h du matin. Donc, Kamere, a mis ça dans la population, pour ça qu'on a un problème, pas Kinshasa. Kamere, on a une escala, donc, pour vendre la caméra, convaincre. Pourquoi? Kamere, Kala, parce qu'il y a une majorité. Politique naïe, et Zakaka, a dit ça à toi, expliquer, dit tout le monde, et au besoin d'un roi, ou à ce qui se dit, dès que le roi est mort. Kamer, en 2011, on a dit, nous avons rassemblé tous les candidats, tout qu'on a l'élection unie. Kamer, a bandit Kokima. Tu sais que dans la Belgique, Babengi, Ote, Naoke, Boken, États-Unis, Tokuta. Tu sais que dans la communauté, États-Unis, Babengi, Ote, Naoke, Boken, de Canada. Tout comme on a Canada, donc, Moutou. Donc vous comprenez que c'est l'échappatoire. Aboui, tous allons rassembler, tous allons rassembler. Oh non, tous rassembler Kabila. Donc sans mission, c'est fragiliser toujours Étienne Tshisekedi. Si vous avez dit Tshisekedi dans le lobby, il y a ça, contradictoire. Donc, tous allons comprendre, j'ai tous joué. Kabila, Kamer, jusqu'à preuve de contraire, à Zana Kabila. Mais tous allons quoi ça, tant que la dynamique va s'avoir, personne n'a confiance dans la dynamique. Tout est bien. Mais, Bissot, ils ont inquiété Bissot. Ils ont l'opposition. Ils ont l'opposition. Donc, quand on a Burundi, on a besoin d'opposer à ma casse. Quand on a la première opposant qu'on a, on a besoin d'opposer comme opposant à ma casse. Quand on a Burundi, on a besoin qu'on a. Quand le peuple congolais, on a gouverné, on a besoin de meeting. On va payer ça 10 000. La population comme Mikuna va payer ça 10 000. Donc, on a besoin de meeting. Les problèmes qui est là dessus que bangonyon sont ba opposants ni bazawana bazola na côté maiso tchuna les pouvoirs et de côté de Tshisekedi. Si toi tu parviens à trahir Étienne Tshisekedi ces moments-ci aux autres intérêts politiquement, c'est-à-dire royer banana de tout na promoter, c'est le cas avec les MLC. Vous voyez un peu et l'INC, c'est-à-dire si tu n'es pas avec Tshisekedi, c'est-à-dire aux gens effacés sur le plan politique. Bissot te pèse délai constitutionnel. Le 19 septembre, il va convoquer le corps électoral. Ce qui a été commis déjà la préavis au Bapesi Bissot. Si on m'a quand même été allé, tu me suis dit que tu es là, tu es là, tu es comprendre. Tu es majorité, tu es là, tu es là. Bazana candidat Moussou te, Bochabou, Azala posa comme président de la République te. La mère Mende, Azala compétent pour président de la République te. Baonyo soa, oh yo et bien là. Bazana posa comme président de la République te. Baken Wandon de Banan, yo soa. Faut pas romper Bazana posa wana. Pour la nini bakan, amila rana, un individu moko wana. Bakan amila rana moutou moko wana. J'ai trouvé un homme qui a eu avec nous une discussion profonde et qui me paraît un homme plein de bonne volonté et qui, je crois, veut, avec d'autres, que la paix soit définitive en ce pays pour que les populations puissent, elles, bénéficier du progrès, puissent bénéficier de la prospérité. Et je dois vous dire que j'ai vu un homme mentalement actif avec qui je suis rentré en dialogue profond et d'une certaine durée. Et qu'il faut quand même considérer que toutes les parties de ce grand pays doivent, sans préalable impossible, s'entendre au mieux, le plus rapidement, pour faire un schéma de sortie
d'une crise qui à la fois me semble politique, mais aussi économique. Et il ne faut pas perdre de vue, pendant qu'on essaye de sortir de la crise politique, qu'on ne perde pas ce qu'on a acquis dans la crise économique. Rassemblement say that they don't want Mr. Edem Kodjo being the facilitator. Is there any name that we may that have been discussed in that way to have the dialogue to take place? The dialogue is essential. We understand that there are strong opinions by stakeholders in many directions. And we have a baseline of a constitution to proceed, and we think it's important for all of the stakeholders to come together. We think Mr. Kodjo is trying hard, along with the support team from the EU and the UN and the OIF and elsewhere. So we hope that this team effort can be something that brings people together. But apparently, based on what happened, it seems like you have fixed a date for this to put together the group that was going to be managing the dialogue. Do you believe, without consulting with other members of the opposition party, would that make it easy to go forward with the negotiations? The important thing is to look forward to what solves this challenge. We think there's plenty of time and space for a win-win solution for the people of Congo, and that's what we're all focused on trying to solve. What would be the issue if the dialogue doesn't take place? It's crucial that the dialogue occur. We understand and appreciate that both government and opposition were able to see this week peaceful rallies. We believe the Congolese people are very capable of expressing their political opinions peacefully. And as long as that's the spirit in which views are being stated, I think this will be a historic and positive year for the Congolese people. And again, we commend both government and opposition for the peacefulness of very significant rallies here in the last week. A question, Mr. Etienne Tshisekedi came back last week and he had a strong meeting on Sunday. And where he declares that actually they gave a kind of ultimatum to the government of Kabila. If elections are not called on September 19th, he should leave by December 19th. What will be the opposition since we don't know where we're aiming with the dialogue? We'd like to see this as a moment of dialogue, not of ultimatums. We understand that people have very strong opinions and that there's a great deal at stake. We hope that that will bring people to a common table, and we hope both sides will look for confidence-building measures that will help bring people together. We've certainly spoken about the need to see the release of political prisoners and dropping of charges as a confidence-building measure. We hope that people will give the facilitator and the support team the opportunity to prove their commitment to finding a peaceful path forward. Son Excellence Monseigneur le Président prend son bâton de pèlerin au nom de tous les évêques de la Sainte pour rencontrer les uns et les autres, essayer de faire des rapprochements pour qu'on réussisse à trouver une issue à la crise. Parce que pour la Sainte, plus on tarde, plus la souffrance du peuple va s'aggraver. Et alors on sait que, par exemple, le combat de Son Excellence M. Etienne Tshisekedi, c'est pour le progrès social et le développement. Et donc on n'est pas pour la souffrance du peuple. Alors donc, l'Église catholique s'engage à rencontrer tous les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, et même de la communauté internationale, pour qu'on mette tout en œuvre, vraiment tout en œuvre, pour ce dialogue, pour la tenue effective du dialogue, et pour aussi trouver une issue à la crise actuelle et relancer le processus électoral. On est édifié de voir que, justement, Son Excellence
M. Etienne Tshisekedi dit, c'est ça aussi le souci qu'il porte, faire tout pour le dialogue qui sera porteur vraiment d'un avenir meilleur pour le pays. Écoutez, je suis d'abord venu saluer le président, me faire connaître de lui et le féliciter pour son refus. Il a été absent 2 ans quand même. Bon, qu'il retrouve sa famille, qu'il retrouve ses militants, qu'il retrouve ses concitoyens. Donc, je l'ai félicité pour cela. Ensuite, évidemment, nous avons fait un tour d'horizon de la situation du pays, de façon générale. Et étant un homme de sagesse, j'ai voulu prendre chez lui des perspectives qui permettront de faire mieux mon travail de représentant spécial de la Nations Unies. Et vous savez que dans le cadre de mon travail, je fais ce qu'on appelle les bons offices. C'est-à-dire que je parle à tous les acteurs congolais pour les appeler à ce que la résolution 2217 dit. Nous allions vers des élections paisibles, crédibles. C'est ça, paisibles, donc apaisées. Ce président m'a fait part un peu de sa façon de voir les choses. Peut-être que évidemment, il compte sur nous pour aider les Congolais à se retrouver et pour que, en particulier, nous allions vers le dialogue. J'ai pris bonne note de ce qu'il m'a dit. Très bientôt, nous allons nous retrouver au niveau du soutien à la facilitation de l'Union africaine pour en discuter et bon, pour en parler aussi avec le facilitateur qui est désigné par l'Union africaine. À propos de facilitateur, le rassemblement a reculé ce dernier. Et contre toute attente, la MONUSCO est venue pour contreparler pour dire qu'elle était beaucoup plus favorable. Est-ce que vous gardez votre position ou bien au cours de cet entretien notre position est très simple, faut pas dire ce qui n'est pas. Exactement. Notre position est dictée par la résolution 2217, qui demande aux Congolais de respecter leur constitution et deuxièmement, qui leur demande d'aller au dialogue sous la facilitation de l'Union africaine. L'Union africaine a désigné un facilitateur que nous soutenons, que ce soit les Nations Unies, que ce soit d'ailleurs les autres organisations. Nous soutenons la facilitation dirigée par M. Kodjo. Maintenant, il y a des divergences, il y a ce que le rassemblement a dit. Nous espérons que les gens vont se parler pour voir un peu qu'est-ce qui pose problème. Mais nous n'avons pas une situation qui retarderait les choses. Donc, de ce point de vue, notre situation est claire. Nous n'avons pas à prendre position par rapport à ce que dit le rassemblement. Nous prenons note, mais nous parlons aux uns aux autres pour trouver une formule. Parce que le plus important, c'est d'avancer et que le peuple congolais ait son dialogue et qu'on aille vers des élections crédibles le plus rapidement possible. La facilitation qui a été amorcée par le président Denis Sassou Nguesso a-t-elle reçu votre assentiment ou bien c'est une démarche juste personnelle car elle a semblé jeter le trouble dans la quiétude que l'on a constaté au niveau de l'opposition. Car on a vu certains membres traverser sans le consentement. Bref, est-ce que aujourd'hui vous pouvez nous dire officiellement quelle est votre position par rapport à cette démarche-là du président Denis Sassou Nguesso? Le président Sassou Nguesso, comme d'autres présidents, peut-être qu'on ne parle pas d'autres initiatives parce qu'il n'y a pas seulement un fleuve à traverser, certaines sont plus lointaines. Toute initiative qui est prise pour que le Congo, la RDC, se soit dans la situation où elle est, d'impasse politique, nous l'accueillons à bras ouverts. Donc nous saluons l'initiative du président Sassou Nguesso. Je suis sûr que le président Sassou Nguesso va se mettre aussi en rapport avec le président Tshisekedi et d'autres pour parler à ses frères, pour dire que la paix dans notre région est irremplaçable, elle est indispensable. Parce que ce qui touche au Grand Congo va toucher certainement au Congo-Brazzaville et va toucher d'autres pays, y compris le mien qui est bien beaucoup, beaucoup plus loin. Donc oui, nous sommes pour l'initiative du président Sassou Nguesso. Nous pensons que c'est une démarche de paix. Et nous pensons aussi qu'une une démarche visant à ramener les frères ensemble est en soi positive. Ah, mais c'est pas là.
awa na cadre ya conseil des sages ya rassemblement boyibi ke zona meeting munene lobby et avant meeting salema il fallait tout ça la réunion ya conseil des sages et le kolanga nazali nani président ya comité organisation ya meeting to yaki na bande konoso ya comité des sages pour na konsolwa na président total la makambo ndenge to bongisi est-ce que za kolega malamu et ko sala mandenge nini lobi ko sala ndenge nini to ye to yokani message makambo yo to lenge yango yo omoni biso apa ya président Tshisekedi siko to tuni ndeko na biso fayulu concernant disposition ya sécurité ko sala lobi est-ce que eko simo yo ko simba te parce que to yiki pouvoir en place que lobi va infiltrer ko sala katia meeting wana ndeko nanga ngana za police nationalité biso omoni ndenge tokene mokola misato na aéroport kozwa président makambe simbaki pone ne po ba militant na biso bazali discipliné alors ceux qui va provoquer bango te eloko moko osala mate donc si toyebi si ba militant nyonso oyo azana chemise ya pembe ate chemise ya pembe azana tricot ya pembe ate tricot ya pembe azana blouse ya pembe ate blouse ya pembe tolata biso nyonso tongenga pembe toya donc pembe elingo banini c'est la paix tokoya kotumba la motote tokobunda na motote police nationale a li contacté balibi na police nationale a sala mosala na ye malamu tomoni lettre gouverneur ya ville à Kinshasa atende libiso a lobi que voilà bosala meeting na bino na ndenge mibeko ya l'état etindi mais na sengi na police nationale a tala sala pe mosala na ye naye police nationale na bourgmestre ya commune ya Kasavubu donc eloko moko ya mabe e kozala te siko na tringto tuna to yeba pona nini bo choisir kaka triomphal tata Rafael Zawana stade de martyr pe Zawana kaka triomphal pona nini bo munti triomphal za muke ndeko na ngai to sito senga triomphal to senga tata Rafael to senga velodrome de Kitambo d'abord velodrome de Kitambo c'est petit tata Rafael pona biso ezali petit impossible to senga de martyr balinga kate alors sikoyo pas ito ebike ba parti na biso ezali wana na avenue de l'enseignement monta koboya na biso azali te soko pe oboyi to kondima yo te parce que ezali to informé yo ezali droit na biso pona kosala meeting yango no moni to sali wana soki lelo yo bandimi to sala meeting to kosala wana lobby le 31 bokomona deux semaines après to kosenga martyr to sala na martyr dernière question de ko Martin Fayulu to tuni ke tout ko sola bino nyonso ensemble to ko kikoye bata mwa muke muke o bosola ki lelo pona meeting alobi non na ibisho to sololi pona makamba meeting pona makamba na biso ndenge rassemblement za ko leka ndenge unité koti ko sangana libota moko makambo nyonso lingo ye bande ko nanga yaka na meeting lobi okoyo ka tango président Tshisekedi akoloba na population yo pe koyo ko za journaliste oko lobana bato yo bazali bazala sur place te matondo mingi ndeko Fayulu nzamba pambola bino Yeah.
La baragno, yonso.
Mais
conseil de sécurité à l'OBI, Tobanda Makambuya Diallo. Mais tout ce qui est que Diallo Gambo est au Bonga. Mais, peuple, Oyo depuis 56 ans, Yangoyo, peuple Azakina, les sous-sous, l'objet, la préoccupation, il n'y a pas politicien, Banda Lelo, peuple, il y a Congo à se prendre en charge et à vous exprimer des souverainetés naïves. Oyo ma pesa le miso. Lokola. Lokola facilitateur. Ndenge bolandaki ma miso nyonso. Tout le monde était un facilitateur à la retraite. Allié trop. Azali Kabilis, mon nene. Confiance était et retirer confiance naïe. Pour le bien à l'OIWA, Balogra Bisou, votre moussou, Oyo Abouzala, la confiance, il y a parti du balai. Votre voisin confiance, il y a peuple. A Goubi Moukata Makambo, Etali, peuple T. Azali, côté à Moumouna. Tout pèse qui va. Groupe à soutien. C'est-à-dire. Amérique. Union européenne. Organisation de la francophonie, na l'OIWA, responsabilité, tout pays bango, liste, y a bateau de tout que, bakangamina, makambuya bango, ya politique, bango bata la makambuya bango, soki ba soki si yango, alors tout bandi lelo, tout bandi zela, processus, il y a pour qu'il y ait un dialogue. Je suis très heureux de vous parler. Et je suis le président de la République. Ce qui a profité de mon mandat, a voulu battre. Vous voyez que nous avons la l'ONU a fait ses bisous instructions, instruments monnaie, la TPI est là pour dire et puis on a là pour ceux qui ça n'a pas jeune. Ba jeune, ba leki, ba congolais nyonso na mingi. Il faut bango surtout. Bango, bazala na etumba na biso,
répondre à la démocratie, parce que tant que nous trouvons la démocratie, Bangope Babiki. Bajé Nanyonso, Batelema. Gouvernance Yamboka. Soki Ezali Malamu. Mbongo et Rukita. Mais tandis que Soki Ezali Mouibi. Mbongo et Rukita. Ba soldat na biso na ba policier tulingaki tusukisa mazolo na biso te sans tour bana bango ke bazali armée nationale congolaise. Bazali police nationale congolaise. Donc, Bago Kozala na service à individu. Étranger, madame Boubenga diaspora, Bangope, Bassali Moussala Ming, et là Moussala Yamboka na Bango, Moga Soke Bungi, Bangoyoso, Bangozala Awa. A commis déjà l'avion, on va nous passer à la casse. Même dans l'obé, Bazan, vous posez la bateau, Macambo, Boba, et qui est Bazan en opposition. Bazan, vous posez la bateau, Macambo et Bélé. Oh, Nyonzo, Bazan, vous montez, voilà, et la montage. Il faut que Batika Bango tranquille pour tout bon Samboka. L'opposition est composée de Banamboka, Bazali Kusala Moussana Bango pour Namboka, Batika Bango Basala. Démocratie Oyo et Jacques Kumba Makambo Ebele. Et dans la misala, et dans la dollar, et dans la nyoswana, il faut les bossos, toujours démocratie. Mais, pour les mesures de tout le monde, la magambe à 20 décembre. Préavis naïe est aussi là, le 19 décembre. Alors, il faut que la bibisaka. Après. Botika malamu, bozoma na mboka na bino malamu. Toyoka magambo mususu tena ese kanyama. Come on!
Allons-y, allons-y.